Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 330 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Duke Nukem 64, donc sur Nintendo 64, comme vous voyez le logo en bas à droite de votre écran. Donc j'ai réussi à configurer à peu près ma manette de Xbox pour jouer sur émulateur de Nintendo 64. D'ailleurs, je baisse un poil le son. Et donc je suis sur Project 64, l'émulateur. Et je crois que je vais encore baisser le son parce que c'est vraiment très 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 fort. Et donc on est parti. Nouvelle partie. Un joueur. Choisir la difficulté, c'est du gâteau. Dieu que je suis bon. Prends ça, c'est parti. C'est du gâteau. On va prendre là, c'est du gâteau parce que c'est bon le gâteau. Et que je suis une grosse bite. La dernière fois que nous avons tué Duke Nukem, cet homme qui représente notre dernier espoir avait un blablabla. Une fois Proton écarté, Duke fut accueilli chez lui en héros et fut immédiatement... Je connais pas du tout le jeu. C'est un vieux jeu, mais j'ai souvent entendu parler, j'ai jamais joué. Je sais que c'est un jeu de FPS, vu la première personne, de tir. Oh, l'animation de ouf. Oh, la qualité de ouf. T'as un truc de barge. Est-ce que je peux passer tout ça? Les enfoirés d'Alien vont veiller cher pour avoir mitraillé ma caisse. Oh. Oh. Voilà. Et ben ouais, ok. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc caché là derrière. C'était quelque chose. J'ai un peu du mal à contrôler ce que je vois, mais c'est pas grave. Allez, tant pis. Oh putain. Oh, il y en a un là. Oh, par contre, il n'y a pas de viseur. Donc, en fait, vous tirez en face de vous. Je crois que je vais utiliser ma souris. On va dire que ça c'est mon écran. Voilà. Ah, je suis très fier. On va dire que ça, c'est mon viseur. Technique de ouf. Et je pense qu'il devait faire ça sur Nintendo 64, mettre un post-it sur l'écran. Pour dire genre, voilà, ça, c'est le... Par contre, c'est calme, hein, et pas de musique. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou pas. Par contre, je sais pas du tout où aller. Oh, il y a de la vie. La life, mais je suis déjà full vie. Parce que de toute façon, je suis en mode, c'est du gâteau. Est-ce que je peux aller quelque part, s'il vous plaît? Oui. Une ruelle. Ok, est-ce que je peux prendre la porte? Ouh, je peux faire des actions sur les choses. Je savais pas ça. Oh putain! Foireux de merde. Putain, mais je veux pas te tirer dessus, t'es dans les airs, enculé. Il vole. Bon, je vous fais fi de la qualité du monstre. Je crois que je peux sauter aussi. Alors, ah non, je peux choisir l'arme. Il me semble que je pouvais sauter, voilà. Ça, c'était des bugs graphiques que je voyais. Oh putain. Oh le salaud. Oh le salaud. Tire. Je me suis trompé de touche. Mais qu'est-ce que tu veux que je tire sur ça là-haut? Ils me tirent dessus alors qu'ils sont... Merde. Alors que c'est des bugs graphiques, il y a des bugs graphiques de partout. Oh putain, casse-toi. Il est là ou il est pas là? Il est là, et en fait il est pas là. En fait, il est là sans être là. J'ai tendance à appuyer sur une touche qu'il faut pas que j'appuie dessus. Il est tout bugué le jeu. Tout piné, on dirait.
Je peux pas faire... Ouais, ok. On va aller dans les endroits où je suis pas censé aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Chargeur de pistolet. Putain, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal. Oh, y a un truc là. Make my day. Ok, je suis dehors. Enfin, je suis dehors. J'ai vu le dehors. Donc lui est toujours bugué, mais pas de soucis. Ça, c'est un ascenseur. Qui m'emmène, je sais pas où, dans un truc d'arcade. Oh putain, putain, putain. Et ouais, ok, donc ça les a pas fait claquer que... Pas le temps de jouer de la mandoline. Pas le temps de jouer de la mandoline, c'est ça qu'il a dit. Ou alors c'est moi qui ai eu une hallucination. Carte d'accès rouge demandée. C'est moi qui ai des alus ou... Ou il m'a vraiment demandé ça. Ok, il me faut une carte d'accès rouge. Bon bah on redescend. Est-ce que mes ennemis ont débugué un peu? Non. Je crois bien qu'il a bien bien bugué quand même. Sinon c'est tranquille. Là il y a un ennemi là-dedans. Là il y en a un. Je t'avais pas du tout vu à travers le mur, hein, évidemment. Ouh, là, on a pris une grosse arme. Ok, mon ordi réfléchit. J'espère qu'il va pas m'afficher un vieux truc en plein milieu. Il me faut une carte d'accès rouge. Ouh, là, oui, il y a un bouton. C'est vrai que il me semblait avoir déjà vu une vidéo sur ce fucking jeu. Genre... Si je vais... Là... tout à l'heure on avait trouvé une salle de cinéma. Oh putain, ça permet de monter là-haut, il y avait plein d'ennemis, je vais galérer là-haut. Je pense que ça va, il va falloir que je mitraille, il va falloir que je mitraille. Comment je vous ai niqué? Carte d'accès rouge. Il y en a encore un autre? J'ai pas d'ennemis là, on est d'accord. Ok, tranquille le cinéma, tranquille. Vitamine. Je gagne une vitamine. Je vois absolument pas ce que je fais, mais je le fais. Donc là, j'ai ma carte d'accès. On va retourner voir... là où il me fallait une carte d'accès. Hop, c'est déloqué, c'est déloqué, c'est déloqué. Ouh, il y a un ennemi là aussi. Qui en veut encore? Qui en veut? Je sais pas. Ok, il y avait un couloir là. Out of order. Et si je fais... Exploser ça, ça fait exploser l'entrée. Est-ce que je peux sortir? Par là? Non. Est-ce que je... Non, là je viens de mourir. Enfin, je viens de sauter, je sais pas où.
Donc là, il y a un ennemi là-haut. Là, il y a une armure. On voit tous les gens que j'ai tués. Chargeur de pistolet. Comment je fais pour passer derrière là? Parce que ça m'a chargé, on est d'accord. Mais il y en a un là derrière. Oh putain, il sort d'où lui? Tu sors d'où toi? Je vois des ennemis qui sortent de n'importe où. Tranquille l'ennemi quoi, tranquille. Ah, il était dehors. C'est des mecs qui venaient de dehors quoi en fait. Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Ça fait un petit moment qu'on joue mais du coup je suis toujours pas convaincu. Non, je pense que j'ai oublié des trucs, mais je sais pas encore quoi. Après, le but c'était juste pour y rejouer. Moi, j'ai découvert un peu ce que c'était. Galère un petit peu au niveau des contrôles, ça change les ordi. Hein. Les ennemis cassent pas des briques, mais j'aimerais bien. Putain, j'aurais bien aimé pouvoir accéder à lui, l'ennemi là. Mais je sais pas par où il faut que j'y aille. Oh putain, je vais pas mourir là-dedans quand même. Je peux pas ressortir de ce trou. Je peux pas sortir de ce trou là, c'est sérieux? Bon voilà, c'est une raison de plus pour arrêter ce jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait du jeu rétro. Waouh. Cette claque de s'apercevoir. Quel rétro, bah c'est du rétro quoi. Mais bon, on s'éclatait à l'époque sur 64. Je préférais franchement, quand je jouais à des vieux jeux, je préfère franchement des jeux de plateforme parce que on essaie de faire de la 3D, des vues comme ça sur des jeux. Et je trouve que bon, voilà, c'est laborieux quoi, pour faire le moindre truc. Alors que c'est vrai que les jeux de plateforme, même pour l'époque, on faisait déjà des trucs sympas. Même pour Mario Kart, c'était sympa quoi. Que là, franchement, pour un jeu FPS. Il vient de me dire, vous avez entendu? Qu'est-ce que t'attends là, Cinglingue là? Ouais. C'est les développeurs de l'époque aussi, surtout. Avec des expressions de l'époque. Voilà. On entendrait plus ça, je suis pas sûr qu'on puisse entendre ça dans un jeu vidéo récent. Enfin bref, donc j'imagine que, voilà, comme je vous ai dit, si vous dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos, ben, abonnez-vous, il y en aura d'autres. Du rétro comme du pas-rétro, du FPS comme du jeu de course, comme du n'importe quoi, comme d'autres jeux. Surtout de console, d'ailleurs, je suis arrivé à faire de la Wii il n'y a pas longtemps, donc ça peut être sympa. Oula, le pattern du feu, il y a un problème sur le côté gauche. Il s'arrête là, le feu. Ça s'arrête. Bon. Voilà, la technique du viseur, dites-moi aussi si vous l'aviez. Je pense que là, il n'y a pas de viseur, donc j'imagine que tu es bien obligé de savoir où est le milieu de ton écran. Donc, de t'aider avec un petit truc sur ton écran. Voilà, donc ma souris pour moi. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, on se dit salut, à bientôt, et d'ici, très vite. Salut !